Argent qui rentre. Est-ce que ça peut suffire? Non, ça suffira pas pour notre... Si. Pour un niveau de plus à notre centrale. Tu peux aider un petit peu. Ouais, souci d'énergie qui nous enquiquine là. Pas moyen de savoir qu'est-ce qui consomme plus qu'autre chose. Je suis en train de regarder ce que je... Qu'est-ce qui consomme du verre? L'appareil photo, l'écran, les voitures. Les voitures consomment du verre, hein. Ouais. Donc j'ai besoin de ça. Non, c'est tendu, c'est vraiment tendu. Aïe, 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 aïe. Les radars, j'en exporte pas. Oui, j'en exporte. Voilà. Non, mais il n'y a pas, il va falloir qu'on attende que le pognon arrive pour résoudre ce problème. Et le marché n'est de toute façon remis que dans 1 heure. Bon, ben je suis en train de réfléchir, mais je n'ai pas vraiment de solution là, à part importer éventuellement les ressources qui me manquent, mais même là, parce que en soi tout augmente, donc ça veut dire que mes stocks normalement sont bons, mais c'est l'approvisionnement en lui-même qui pose problème. Je refais le tour de mes ressources, hein. Je refais le tour de mes ressources. On va se mettre en mode les plus gros déficits. On va commencer par le bas. Bon, les moteurs, ça c'est un problème. Créer une autre usine de moteurs pourrait être utile, mais voilà. Le verre, le papier, les planches, les aluminium. Mais de toute façon, c'est parce que c'est l'acier qui manque, hein, pour les moteurs. C'est le gros problème. De toute façon, c'est l'acier. J'arrive pas à avoir une production d'acier correcte. Voilà, c'est de toute façon l'acier qui... L'acier qu'emmerde. Donc à part réimporter de l'acier pour relancer la production, j'ai pas vraiment d'autre solution. Mais là pareil, vu que j'en ai apporté beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Ah, il y en a passé le marché. Il y en a passé le marché de l'acier.
Je vais faire quelques achats. Juste parce que voilà, juste parce que le marché clairement est plus avantageux. Mais il n'y a pas d'acier en offre. J'achète de l'acier. Voilà, je fais une offre. Si quelqu'un a de l'acier à vendre, bon, c'est clairement pas avantageux. Mon marché est clairement pas avantageux. Donc il va mettre des plombes à partir, mais je n'ai pas d'autre solution là. Bon, de toute façon là c'est bon. Visiblement mon énergie c'est bon. Je suis revenu à un niveau somme toute correct. Mais en fait le problème c'est que j'arrive pas à produire de l'acier. J'arrive pas à produire de l'acier parce que j'ai un approvisionnement trop faible en carbone. Malgré que j'ai dédié un comment? Un entrepôt à ça. Parce que je n'ai pas moyen de prioriser. J'ai pas possibilité de prioriser, dire les moteurs sont prioritaires pour prendre du charbon face à... non, par exemple, que les aciéries sont prioritaires pour prendre du charbon, ensuite les moteurs, par exemple. Il faudrait pouvoir prioriser en fait les ressources. Regarder un truc là. Ah oui, et lui là. Mais il consomme beaucoup plus qu'un bâtiment normal. Une usine de charbon normale, c'est en gros 400 watts. Alors que lui, il en consomme 10 fois plus. Il consomme 4,7 kilowatts. Donc lui, c'est une des raisons qui fait que de toute façon mon énergie galère. Une 4 kW, c'est énorme dans le jeu. Dans le jeu, c'est énorme. Dans le jeu, c'est énorme. J'ai encore des soucis d'énergie. Qui? Pourquoi? Oui, parce que j'ai acheté de l'acier, donc j'ai toutes mes usines qui sont en train de se lancer.
C'est terrible. C'est juste terrible. Bon, je suis à combien en franc suisse? Je suis à 89. Je pense que dès qu'on va passer les 100. Les 100 dollars suisses, je sais pas comment. Argent suisse, voilà. On va partir sur une autre ville. Et on va partir sur un. On va partir sur une amélioration. Alors, je regarde un petit peu. Hein. Mais je pense qu'honnêtement, on va prendre le multiplicateur de production. Oh, le coût des permis de construire réduit. Remise de prix du carburant. Ouais, 5% seulement, mais bon. Après le coût des. Là, les. En vrai, bon, le multiplicateur de production, c'est sûr. On prendra ça. Mais donc, il va falloir patienter, hein. Il va falloir patienter un petit peu. Ah, ça, d'accord, ok. Ça, ce sont les. D'accord. Ça, ce sont les avantages qu'on a dès le départ, en fait. C'est pour ça qu'on avait 4. 4 éoliennes. 4 éoliennes. 8. Non, on avait une éolienne niveau 4 gratuite. On avait une raffinerie. Enfin, une pompe à pétrole. Niveau 8 dès le départ, on avait une raffinerie niveau 2 dès le départ et une gaz à pompe naturelle niveau 2 dès le départ. C'est pour ça, d'accord, ok. Ça c'est les bonus qu'on avait dès le départ en fait. Des voitures. Pareil, hein, on va repartir sur couper tout ce qui consomme de l'aluminium, enfin de l'alu, du. Des moteurs, j'en ai en stock, hein. On va aussi couper les moteurs. Ce qui fait là, il y a que le pétrole raffiné. Ah! Moi aussi, j'en importe pourtant. C'est pas possible. Allez, va chercher du pétrole là. Il a juste pas de quoi faire le plein. C'est terrible. Ça y est.
Ouais, et tout ça pour un demi-billion. Ouais, bon, allez, ouais. Bah oui, j'ai coupé les voitures, c'est normal. Je lance un peu de mode en attendant. Oui. Allez. Ah, mon approvisionnement en fer là qui galère visiblement maintenant. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais. Attendez, j'ai un souci avec le pétrole raffiné. Non, c'est pas là, c'est là. Pétrole brut. Blablabla. Ah ouais. Bah attendez, on va augmenter un petit peu. Va économiser un petit peu notre pétrole raffiné parce que visiblement, voilà. Je peux rester comme ça pendant 1 heure sur le gaz naturel. Donc ça, c'est largement suffisant pour augmenter ma réserve de pétrole. Sachant qu'il faut pas que je reste 1 heure dessus parce que sinon, si je n'ai plus de gaz, je n'ai plus de centrale. Et si j'ai plus de centrale, j'ai plus d'électricité. Donc j'ai plus rien qui marche. Ça va être tout le paradoxe, c'est qu'il va falloir, il va pas falloir que je consomme tout mon gaz. Après, c'est pour ça aussi que le gaz, je voulais l'augmenter à la base. Hein. Je voulais augmenter ma production de gaz exprès pour éventuellement justement ne plus avoir utiliser le pétrole raffiné en tant que carburant, mais utiliser du gaz.
Et en vrai, ça me paraît pas infaisable. En vrai, ça me paraît pas infaisable. C'est pas ça, c'est ça. Parce qu'en vrai, je consomme que 7K par seconde. Enfin, 8K par seconde, en gros. Mais je produirais plus de gaz. Je pourrais même éventuellement passer sur le gaz au lieu de passer sur le pétrole. De l'artillerie. Alors l'artillerie, qu'est-ce qu'il faut? De la dynamite. La dynamite, elle produit. C'est juste que parfois il manque de bois, je sais pas pourquoi. Alors que du bois, il y en a à proximité. Enfin, est-ce que lui, il faudrait que je le coupe parce qu'il envoie tout vers les. Hop, on va le désactiver temporairement. Juste pour que la dynamite puisse, voilà, aller chercher du bois plus à proximité. Ah oui, exact, 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 exact. Faut que je coupe lui. Faut que lui je le coupe parce qu'il consomme de l'artillerie. Voilà. Combien? 700 millions? Ouais. Elle est partie tout à l'heure, mon offre. Des chars d'assaut, des chars de combat là. 65K unités. En vrai. En vrai, je commence à me dire. Parce que ça, c'est très très rentable. Lui, j'en veux plutôt de la fibre à la place.
et je vendrai sur le marché. Je vendrai sur le marché, par exemple, mes chars de combat. Les chars de combat sont extrêmement rentables en vrai. Pardon. Alors, bah voilà, je peux tenir 1h35 avec les quelques arrivées de gaz en plus que j'ai améliorées. En vrai, il y aurait moyen. Il y aurait carrément moyen. Ce gars, c'est parce qu'il manque sur sur la carte. Et l'avantage, c'est que je peux exploiter directement le gaz et le consommer tel quel. Alors que le pétrole, je vous rappelle qu'on exploite du pétrole brut et ensuite faut le raffiner. Ce qui fait qu'il y a une étape de plus en production et que c'est ça qui retarde énormément la production. En vrai, miser plutôt que de faire un max comme j'ai fait là. De puits de pétrole qui m'ont coûté une blinde en comment en permis et ben investir dans le gaz aurait peut-être été moins con. Après, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que j'ai fait beaucoup de raffinerie et la raffinerie m'a produit beaucoup de plastique et le plastique se vend très bien. Ça faut aussi le garder à l'esprit. C'est mine de rien. Même là, c'est vrai, j'ai pas regardé, mais hop, le plastique. Là, pareil, hop, allez, hop. C'est vrai que faut y penser à le regarder de temps en temps, mais. Mais il y a tellement d'endroits où je pourrais exploiter du gaz, quoi. Là, toute cette zone-là, par exemple. Admettons, là. 1, 2, 3, 4, 5. Je détruis 5. Cinq puits de pétrole. Allez, admettons. Allez hop, et puis ceux-là parce qu'ils sont un peu loin. Voilà, 5 puits de pétrole. Ça me fait 5 5 trucs en plus. Hop. Allez. Et donc je fais ces 5 Hop, voilà. Juste je les convertis. Pour moi, je ne les passe qu'au niveau 10, parce que je vais pas pouvoir les mettre niveau 20 tout de suite.
Ok. Et là, je commence progressivement à aller monter de niveau encore. Voilà. 5 niveaux 15 de plus. Et ma consommation. Non, c'est pas là, c'est là. Ah, je suis passé à 2 heures hein, d'autonomie sur le gaz naturel. Plus de 2 heures. Je suis en train de passer à 3 heures quasiment d'autonomie. J'oscille entre 2 et 3 heures. Donc en vrai, si je dois recommencer une ville, pardon, on se baserait plus sur le gaz naturel, hein, pour plutôt que sur le pétrole. En plus, le gaz à acheter, ça coûte quasiment rien. Bon, le brut aussi, vous allez me dire, ça coûte quasiment rien. Raffiner aussi, mais en vrai, ouais. Et dans ce cas, on ferait l'inverse. C'est-à-dire que ma création d'énergie, par contre, je l'orienterais de plus sur du pétrole. Sur des centrales à pétrole. Comme ça, vraiment, j'ai une production de pétrole brut pour faire du pétrole raffiné, du plastique. Et pouvoir exploiter le plastique. Mais ce serait plus intelligent dans ce sens-là, en fait. Et le propergol aussi en faire du propergol avec du pétrole raffiné plutôt qu'avec du gaz. En gros, changer complètement la façon de consommer l'énergie, quoi. Alors, je veux bien, mais en fait, non. Ça, on va pas le faire. Parce qu'en vrai, les chars de combat, c'est beaucoup plus rentable de les vendre. Quoique. Bon, pour le coup, non. On va diminuer les consommations d'acier. Oui, ça j'avais compris.
On va voir, j'expose ma stratégie aux autres joueurs, on va voir s'ils me disent que je fais mal, si je... parce que c'est pas impossible, hein. Mais là, l'idée, c'est, voilà, en plus on n'est pas loin, c'est d'attendre d'avoir les 100 argent suisse pour pouvoir acheter le multiplicateur de production, ouais, le... Bon, ils vont me comprendre. J'ai vraiment du mal avec ce clavier. Depuis que je me suis remis à bosser sur un PC fixe, j'ai du mal avec le PC, avec le clavier de mon PC portable. Fait quasiment un an maintenant que je rebosse sur un PC fixe et résultat, taper sur mon clavier portable, j'ai plus vraiment de plus vraiment l'habitude. J'avais pas vu que le... Ce que m'avait demandé le truc, c'était du gaz naturel en grosse quantité. Enfin, en grosse quantité, ça va. J'ai dû perdre 1 million dans le truc, quoi. Bon, mais sinon, pétrole raffiné, au cas où, hein, juste pour regarder, le pétrole raffiné, je suis remonté à 9 millions. Ça va. Sachant que je produis toujours du plastique aussi en même temps, hein. Plastique que je peux revendre tant que j'y suis. Question de mon artillerie. J'ai un peu de stock. J'ai un peu de stock. J'ai un peu de stock. Autant le vendre. Chaque fois, je me trompe. En vrai, je perds pas tant que ça de gaz, hein, de consommer du gaz. Bien. Alors, vous obtenez ce montant, vos comptes. Alors, moi, le truc que je me pose la question, c'est, j'ai pas bien compris comment on gagnait de l'argent suisse. Apparemment, on gagne avec le temps. Avec le capital en bourse. Ok. Alors.
Ok. Apparemment, faut que je produise des appareils photo. Si je produis des appareils photo, apparemment, ça va résoudre. Enfin, ça va. Ça peut m'aider à ce niveau-là. Bon, bah, ça. Si, ça peut être honoré. Ça peut être honoré, même si ça me coûtait plus cher que. Ah. Ah, même pas. En plus, en train de fondre comme neige au soleil. Mais il me les faut en billion. Mais c'est quoi? C'est de la production? Mais attends. Je sais pas à quoi ça correspond, ça. Parce que c'est. Puis c'est des billions, quoi. C'est pas des. C'est pas une petite production comme moi. Comme moi avec mes 10. Mon niveau 10 d'appareil photo, là. Je vais pas pouvoir faire grand-chose avec ça, moi. J'ai pas bien compris comment fonctionnait ce truc. Ça augmente. Tout ce que je sais, c'est que ça augmente. D'accord, mon gain hors ligne, il est là. Je gagne 58 millions par minute. Quand je suis hors ligne. Pour une durée totale de 240 minutes. Ce qui correspond à peu près à 5 heures. C'est ça? Je vérifie. 240 divisé par 60. Ben alors, égal 4 heures. Bon, juste que je regarde, si jamais je repasse sur le gaz naturel, enfin sur le pétrole raffiné, je veux dire.
Ouais, c'est un désastre. Ok, d'accord. Bon, c'est... Ouais, bon, ok. C'est quasiment un désastre, quoi. Ah là 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 là. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que j'améliore une raffinerie? Est-ce qu'il faut que j'en construise une nouvelle? Sachant qu'elle galère déjà. Non, je pense qu'il faut partir sur le gaz. En vrai. Alors, est-ce qu'on peut vendre... revendre de l'artillerie. Hop, allez. Revendre des chars de combat. C'est pas ouf, mais on y arrive. Revendre des chaussures. Les 10 secondes. Ils sont chiants de ces 10 secondes à attendre. Oh là là. Oh. Les chaussures. Les chaussures, la fortune. La dynamite. Ouais, non, ça on va garder, je m'en sers. Oui, des guitares. Tiens, on veut, tiens, on voilà. Oh, les moteurs à réaction. Allez, hop. Ça part, ça part, ça part. Ça part tout de suite. Bien. Et là, progressivement, moi je me dis... En vrai, on arrive à l'équilibre. Hein. Bah, regardez-moi ça. Mesdames et messieurs, on y est.
Et ben voilà. Qu'est-ce que je voulais que je dise? On a surplus de 1,2 à 1, ouais, quasiment 2K, ouais. On est entre 1 et 2K de surproduction. Donc en vrai, c'est ça qu'il faut faire. On le saura pour la prochaine ville. Les puits de pétrole, tout ça, c'est bien, mais c'est bien pour faire du plastique en vrai. Et puis le pétrole, voilà, éventuellement, on s'en servira pour faire de l'énergie. Est-ce que je peux vendre autre chose? Par résultat, je suis en train de réfléchir, mais... Bon, ça non. Ça serait osé. Ça serait osé. Mais on va quand même pas faire ça. Bon, bah écoutez, on a changé d'énergie. On a fait une transition énergétique. C'est pas insatisfaisant. Ça a coûté beaucoup de pognon par contre. Ça a coûté vraiment beaucoup de pognon. Mais en vrai, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Donc voilà, on a ça, tac. Enfin, on a gagné 2 francs suisses. Bon, on m'a pas répondu sur le chat, hein, mais bon, c'est pas très, hein, c'est pas, voilà, c'est pas très très actif sur le jeu. En même temps, voilà, il est toujours, comme je vous ai dit, hein, il est toujours en, au moment où je tourne, il est toujours en accès anticipé. Donc voilà quoi, c'est. Donc, on va peut-être faire le tour rapidement. Bon, là, la mode, je sais. Hein, j'ai désactivé le truc et ils sont en train d'exporter. Hop, hop. Les moteurs, hein, toujours. Le verre. Ok, le verre pour ces. Comme le fer, quoi. Papier, planche, aluminium. Ah, silicium. Problème de silicium. Bois, fer, le charbon, le pétrole brut est pas ouf non plus. Mais j'ai supprimé des trucs, donc évidemment. Donc du silicium. J'ai du souci avec mes mines de silicium. Il me restait une mine ici que je n'ai pas améliorée. Peut-être que ça va résoudre le problème. Pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Est-ce que maintenant ça résout le problème? Toujours pas. Donc on va faire une nouvelle mine de silicium. Donc une mine de silicium, on va faire. On va faire celle-là. Tant pis, hein, je paye le permis, c'est pas grave. 3, 3, voilà, niveau 20. Est-ce que ça va résoudre le problème? Bah ça le résout largement parce que c'est bon, il est passé même en théorique au-dessus. Donc il n'y a pas vraiment de problème.
Les semi-conducteurs, c'est con. Je créerai une troisième usine. Genre ici. Je passerai en positif. Si je prends vraiment ma liste en partant du bas là. En partant du principe en fait que voilà, plus c'est bas dans la liste, plus c'est facile à résoudre, hein, entre guillemets. Là, il faudrait que je produise 100 semi-conducteurs par seconde en plus que ce qui m'est théoriquement demandé. Bon, en vrai, là, j'ai pas de soucis parce que j'ai des trucs qui sont désactivés, notamment par exemple les écrans. Les écrans sont désactivés, donc. Parce qu'en fait, ici, là, le moins 100, là, en fait, c'est le théorique. C'est ce qui consomme et ce qui. Ah! Ah! Alors ça, je n'avais pas vu. En cliquant sur le truc, je peux voir qu'est-ce qui consomme des semi-conducteurs. Ah! Alors attendez. Donc là, évidemment, je vois tout ce qui consomme de l'acier. Ok, on vient de découvrir une nouvelle fonctionnalité du jeu. C'est pas clair. C'était clairement pas clair. Mais en bleu, c'est cliquable. Ok, c'est. Ok. Voilà. Ok. Donc là, par contre, si je clique là-dessus. Voilà, j'ai tout qui s'éclaire. Ah, j'ai même les mines accessibles qui s'éclairent. Ok, d'accord. Donc ce qui crée, ce qui consomme. Voilà, par exemple, ce qui consomme du charbon. Voilà, je peux l'avoir là. S'il y a quelque chose qui m'est pas utile, qui est affiché en carbone, je peux le désactiver éventuellement. Des livres, ça se vend, je crois, hein. Ouais, mais les livres, j'en exporte. J'en exporte, mais est-ce que je peux en vendre? Pas avantageux, quoique. Pas avantageux, mais quand même. Bon, ça on verra dans 5 minutes si on peut le faire. Non, les robots, j'ai pas envie de les réactiver honnêtement. Bien, bien, bien.